Voici l'orphelinat de Hardwick. J'ai vécu là toute ma vie. C'est la cuisinière, Edna, la ronchonne. Voici la gentille, Madame Tricklebury. Elle s'occupe des tout-petits et elle habite au village. L'homme à tout faire? Oups, j'ai oublié. Madame Adderstone l'a renvoyée. Elle dirige l'orphelinat. Elle est horrible. Nous vivons selon les règles d'Adderstone. Pas de chansons, pas de bonbons, pas de télé, pas d'amusement. C'est moi. Non, en fait, pas vraiment. Madame Adderstone ne veut même pas qu'on lise. C'est pour ça que je me cache dans la buanderie. Là, c'est moi, Molly Moon. Tu viens, Molly? C'est mon ami Rocky. C'est le festin de minuit. Oh, chut, vilaine Pétula, maman est là. Sandwich au ketchup. Chut, pas si fort. Adderstone va nous entendre. Ketchup. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, depuis quand on se relève après l'extinction des feux pour aller voler dans la cuisine et se retrouver dans le dortoir des garçons? Si vous pensiez qu'avant c'était le bagne, c'est alors faute, je vous prie Madame quoi? Madame Adderstone, c'était mon idée. Molly Moon, la brebis galeuse du troupeau, j'aurais dû m'en douter. Tu seras de corvée toilette toute la semaine. Quant aux autres, désormais extinction des feux à 18h et soupe de poisson 3 fois par jour. C'est dégoûtant. Regarde, il a même un œil tout blanc. Il m'observe au fond de mon assiette. Allez, mange, Ruby, c'est pas si mauvais. Ça sent les égouts. Oh, du poisson? J'aime pas on le poisson. On est obligé de le manger, Madame Tricklebury? Grâce à yeux globuleux, on va se taper des extinctions des feux et vomir de la soupe toute la semaine. Ouais, merci, Globuleux. C'est immédiatement de critiquer mon repas, voulez-vous? J'ai mis un joli morceau de maquereau dedans. Maintenant, à vous de le trouver. Oh, j'y arriverai jamais. C'est vrai, tu vas pas le manger? Il mange n'importe quoi. Molly, qu'est-ce que c'est? Un concours de jeunes talents. Tu devrais t'inscrire. T'es super doué. T'as pas la moindre chance, Minus. La récompense est pour que nous. Que personne ne sorte. Tu la fermes, mon pote. Tu vas ramper sur ma zille. 300 balles dans la poche. Ça suffit, finissez vos assiettes. J'achèterai un tas de bons becs. Venez, les petits, c'est l'heure de la sieste. On monte. Moi aussi, je suis obligée. Bonne sieste, Jinx. À tout à l'heure. À plus. Adieu, la soupe. Beau rêve, Jerry. Je serai le premier à m'endormir. Ton petit copain ne s'inscrira pas au concours. Il a la trouille. D'abord, c'est pas mon petit copain, c'est juste mon ami. C'est le seul que t'auras de toute façon. Sorcière, pas étonnant que tes parents t'aient bazardé. Non, personne ne m'a bazardé. Ouais, c'est ça, ils t'ont rejeté. Ils m'ont pas rejeté. Qui t'a dit ça? Tout le monde le sait, c'est pas nouveau. À ta place, je la fermerai avant que je m'occupe de toi, minable. Silence! Que diable se passe-t-il encore? Molly! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Concours de jeunes talents? Comment oses-tu introduire ces sottises ici et provoquer tout ce remue-ménage? Apparemment, ta punition n'était pas suffisante. Eh bien, tu seras aussi de corvée vaisselle toute la semaine. Et je te préviens, ma petite, ne t'amuse pas à jouer au plus malin avec moi. Ça ne marchera pas parce que je te tomberai dessus comme une tonne de briques. Molly, il y a assez de mousse. Je vais t'aider. C'est gentil. Merci, mais je peux aussi le faire toute seule. Mademoiselle O'Moon? Un peu de joie sur ton visage. Ah, tu vois, tu souris. Tu sais qu'un jour on quittera cette maison, c'est sûr. Ces vipères ne lâchent que du venin, c'est clair. Tu sais, tu devrais vraiment t'inscrire à ce concours. J'arrive pas à chanter quand je suis devant les autres. N'importe quoi. Tu chantes tout le temps devant moi. C'est différent. Devant des étrangers, je perdrai tous mes moyens. Je me connais. Alors je m'inscris avec toi. Tu ferais ça? Ôtez-vous cette idée de la tête. Personne n'ira nulle part. Vous ne pourrez sortir d'ici que lorsque vous aurez été adopté. Et franchement, je ne connais personne d'assez marteau pour vouloir de vous. Maintenant, finissez-moi cette vaisselle. Rejeté. Bonsoir, Molly.
Ça ne va pas? Ils disent que j'ai été rejetée, que personne ne voulait de moi. Oh, Molly. Tu ne dois pas les écouter. Viens me voir. Viens. Tes parents t'aimaient énormément, Molly. Ils sont morts. Ils m'ont pas laissé tomber. Tu leur étais immensément chère, tu sais. Et tu l'es toujours, pour nous tous. C'est l'heure d'aller au lit, demain matin c'est cross pour tout le monde. Allez, va. Il faut que tu croies en toi, Molly. Tu cours avec moi? Je suis pas une rejetée. Allez, tu viens. Tu pourrais au moins essayer. Oh, j'ai pas envie de discuter, Rocky. Je déteste cet endroit. Oublie pas la répète. À 4 heures. Believe in myself. Believe in myself. I am like no one else. If they could see for themselves, I'm so proud. Believe in myself. Believe in myself. Twisted eyes on the shelf. If they could see for themselves, I'm so proud. Tout va bien pour toi, Davina Nuttall. Si seulement je pouvais être comme toi. Vous devez nous les ramener au plus tard le 15. Voilà, bonne lecture. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour, Molly. Même endroit, comme d'hab. Merci, madame. Où es-tu, Molly? Hypnose. Enseignement d'un art ancien, du docteur Logan. 1908. Oui, je vois très bien, mais comme je vous l'ai dit, nous avons été incapables de mettre la main dessus. Écoutez, j'ai réservé ce livre. J'ai fait le déplacement depuis Londres. Professeur, s'il vous plaît. Savez-vous que je cherche cet ouvrage depuis fort longtemps, madame? Veuillez respecter le silence, je vous en prie. La seule copie qui subsiste se trouve ici, dans cette bibliothèque. Alors trouvez-la! C'est votre boulot, n'est-ce pas? Professeur, c'est insensé. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incompétent. Pouvez-vous parler à voix basse? Très bien. Je vais le chercher moi-même. Voyons. H. Hamster, homéopathie, hippie, hypnotisme, ça y est, histoire de l'hypnose, conseils et astuces sur l'hypnose. Quelqu'un l'a emprunté et ça n'a pas été enregistré correctement sur les fiches. Personne ne l'a emprunté, professeur. Je ne peux que supposer qu'il soit perdu. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Vous êtes sur le point de partir pour un voyage fantastique. Ni la semaine prochaine, il me le faut maintenant. Professeur, je crains qu'il soit bel et bien perdu. Je vous conseille de vous bouger. Sinon, Briersville devra se trouver une nouvelle bibliothécaire. Je me suis peut-être un peu trop avancée. Laissez-moi revérifier tout ça. C'est ce livre. Hé, minute! Vous! Revenez ici! Que pour les funérailles, on ne portait pas ce genre de robe. Elle m'envoyait promener en hurlant de me mêler de sa vie. Dis donc, elle, toute sa elle va où, cette rue-là? L'hypnose est un art ancien. On l'utilise depuis la nuit des temps pour dissoudre la peur et la douleur, afin de transformer la vie des gens. Un hypnotiseur expérimenté découvrira que l'on peut parvenir à l'état d'hypnose au moyen d'un simple regard. Seules quelques personnes possèdent ce véritable don.
Pour savoir si vous détenez ce talent, essayez de vous mettre en état de transe. Pour cela, vous n'avez besoin que d'un miroir pour pouvoir plonger dans votre regard. Fixez longuement. Quand vous aurez la sensation que vous flottez, votre esprit sera en transe. Concentrez-vous uniquement sur votre reflet. Silence, Pétula! Pourquoi est-ce que t'es toujours aussi méchante comme ça? Non, Pétula, arrête! Pensez à l'animal que vous allez hypnotiser. Identifiez sa voix et copiez-la. À partir de maintenant, plus de Pétula agressive. On est des amis tous les deux désormais. Ah, te voilà. T'as dit que tu répéterais avec moi. Tu devineras jamais ce que j'ai réussi. J'ai attendu plus d'une heure. Je suis désolée, Rocky. J'étais plongée... Je veux pas savoir pourquoi c'est trop tard. Seulement, me refais pas ce coup-là une seconde fois. Je te le promets, t'inquiète. Tu viens, c'est l'heure de dîner. Vomi de soupe de poisson, menu de la semaine. C'est ce que nous allons voir. Recherchons aide. Je ne comprends vraiment pas pourquoi je me casse la tête. Personne n'aime de toute façon. Ça sent bon, oh, cette recette. Quoi? C'est vous qui l'avez créée? Quelle question! Évidemment que c'est ma recette à moi. Copiez vos sujets. Ça vous aidera à les mettre en transe. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Oh, il fait une de ces chaleurs ici. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, c'est fou la chaleur qu'il fait ici. Faites une pause. Ça me ferait pas de mal. Oui, j'ai bien mérité une petite pause. En avant toutes. Je tourne en rond. C'est agréable et relaxant. Je commence un peu à avoir... sommeil. Vous avez envie de dormir. Sentez comme vous êtes détendu. Wow, c'est incroyable d'avoir d'aussi beaux yeux. Vos paupières doivent se sentir extrêmement lourdes à présent. Et vous respirez profondément. Inspirez. Expirez. 3. 2. 1. Époustouflant. Époustouflant. Enna. Vous êtes mon ami. Vous serez mon ami, l'ami de Molly Moon. Et aussi, vous allez cesser de cuisiner du poisson et des pâtes de poulet. Vous allez mijoter de la cuisine italienne. Des plats délicieux de la cuisine italienne. La 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 la. Bon appétit. Signorina Molly Moon, bienvenuta à ta table. Spaghetti primavera au fromage, tomates et poivrons.
Vous êtes surpassée, Edna. Franchement, c'est excellent. Il y a du basilic. J'adore le basilic. Ça, c'est de la cuisine. Tu veux en avoir encore, Edna? Vraiment trop loin. On va manger la même chose demain. Spaghetti. Edna, seriez-vous tombée sur la tête? Non. Il se trouve que j'adore l'Italie au plus profond de mon cœur. Et voilà, parfois ça déborde. Et ça déborde comme ça tout d'un coup. Il faut un début à tout. Un diamant. Ça veut dire quoi, un diamant? Gemma, tu veux bien monter les petits, s'il te plaît? Je veux pas. Vous devriez goûter, Madame Anderson. C'est vraiment réussi. Oui, je ne mange pas de spaghettis. Oh, c'est super bon. Taisez-vous, un peu de silence. C'est délicieux, Edna. Crier à table est strictement interdit, Mademoiselle Moon. Vous viendrez me voir dans mon bureau après dîner. Et là, Molly me faisait simplement des compliments sur mon repas. Vous lui devez des excuses. Edna, quoi? Il me semble que vous avez besoin d'un peu de vacances. À vrai dire, Madame Anderson, je crois bien qu'elle est sur une piste intéressante. C'est le premier repas nourrissant que les enfants ont depuis des années. Oui, je me suis régalée. Délicieux. Super bon. Voici un courrier de Monsieur et Madame Alabaster. Ils vont venir nous rendre visite et ils m'ont demandé de leur recommander l'un de nos grands chérubins et seulement l'un d'entre vous pour l'adopter. Ce n'est pas tous les jours que des gens fortunés et bien comme il faut se lancent dans ce genre de démarche. Et il va de soi qu'aucun d'entre vous ne les mérite. Ils arriveront samedi après-midi. Tous les enfants leur seront présentés, mais seul celui que j'aurai choisi sera au final adopté par la famille. Hazel? Plus de chance la prochaine fois. Rocky! Cool. Yes! C'est ton jour de chance. Débrouille-toi pour être présentable. Je veux pas partir sans toi. On ne va pas les laisser faire. Ils pourront jamais nous séparer. T'en fais pas. Je vais trouver un plan. Vous aviez promis que Molly et Rocky seraient adoptés ensemble. Vous n'allez pas m'apprendre mon boulot, que ce soit clair. Je les ai élevés tous les deux depuis le jour où ils sont arrivés. Je ne vais pas rester là et regarder le petit bonheur qu'ils ont construit leur échappée. Eh bien, c'est ma décision. Quoi qu'il en soit, ces deux-là ont besoin de voler de leurs propres ailes. Je les sépare l'un de l'autre si je le juge nécessaire. Si vous vous entêtez, madame, je me verrai obligée d'avertir le conseil d'administration. Et je doute qu'ils tolèrent que vous traitiez l'avenir de ces enfants de la sorte. Je sais où tu crèches, Moon. Enfin, te voilà. Salut, maman. Où étais-tu passé tout ce temps? Je mets sur pied un plan, un super coup. Je crois que je vais t'impressionner. Oh, non, ça m'étonnerait. Tu ne seras jamais un spécialiste de la filouterie comme moi. Je prévois de dévaliser la Shorings, t'imagines? Quoi, la Shorings? Tu veux dire la banque spécialisée dans les bijoux? Tu es malade? C'est pire que Fort Knox. Enfin bref, j'ai entendu dire que le gang de Krieg avait un œil dessus. Possible. Et si moi je te disais que je vais arriver le premier et les coiffer au poteau? Et si je te disais aussi que j'allais y parvenir grâce au pouvoir de l'hypnose? Oh. Oh, qu'est-ce que c'est que ce mauvais plan? C'est très sérieux, il y a une fille qui possède un bouquin qui explique tout. Une fille, un bouquin, qu'est-ce que tu t'embêtes? Ce livre est incroyable. Il a le pouvoir de choisir qui deviendra le maître hypnotiseur. Et c'est moi qu'il va désigner. Il faut juste que je pique le bouquin à cette fille. Elle s'appelle Moon, et elle vit dans un orphelinat. Moon, hypnose, dévaliser une banque... Maman, je dois juste trouver le moyen. Cantonne-toi aux petites affaires. Écoute, j'en ai assez de revendre du matos qui a été piqué, je vais pas faire ça toute ma vie. Oh, ça va, arrête de te plaindre. Mets-toi au boulot et c'est tout. Je vais lui montrer. Orphelinat Hardwick.
deuxième étage. Que voulez-vous? Je vous écoute. La pancarte. Recherchons aide. Oh, je vois, vous voulez le job, si je comprends bien. Parfait, commençons par la fosse sceptique. Je veux que ce soit vidé avant que les gamins rentrent de l'école. Oh, répugnant. Que le spectacle commence, Madame Trinklebury. Pour endormir et plonger vos sujets en transe, reprenez leurs sentiments. Voyez le monde à leur façon. Mais Adderstone est malade. Attention, les gens en colère sont difficiles à hypnotiser. Trouvez la chose à laquelle ils sont profondément attachés. Cela peut être un passe-temps, un morceau de musique, un objet préféré. Ces couleurs. Madame Trinklebury, regardez, ces ampoules ont besoin d'être remplacées. Pouvez-vous m'aider? Je n'arrive pas à les atteindre. Naturellement, Madame Adderstone. Les enfants doivent absolument voir où ils mettent les pieds. Nous ne pouvons pas risquer un accident, n'est-ce pas? Attention! Encore quelques centimètres et vous y êtes. Qu'est-ce qui a hurlé comme ça? Quelqu'un est tombé des escaliers! Viens vite, Molly! Il est arrivé un truc horrible! Madame Trinklebury! J'entends l'ambulance! Je voudrais lui dire au revoir! Il l'embarque déjà! C'est vous, je vois rien! Soyez courageux, les enfants! Les accidents font partie de la vie! Elle est morte? Bien sûr que non! C'est juste une petite chute, rien de plus! Hop, 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 allez, au lit tout le monde. On remonte, y a rien à voir. À ton rétablissement, ma chère Trinklebury. Oui, enfin, pas trop vite. Oh, vous alors? Vous êtes vraiment culotté, monsieur Nockman. Les gouttières, je veux juste le dernier homme à tout faire utilisait les escaliers. Venez boire un verre. Non. Demain première heure et pas de retard. Nous sommes tellement heureux que vous ayez décidé, vous et madame Alabaster, d'adopter l'un de nos enfants. Nous nous réjouissons de vous recevoir cet après-midi. Au revoir. Tu vois, ferait mieux d'y aller. Vas-y, Rocky. Ne t'inquiète pas. Quoi? Avant, j'ai un truc à faire. Débrouille-toi pour qu'on passe en dernier. Mais je croyais... Je te promets. T'en fais pas. Vas-y, fonce. Oh. Entrez! Si tu viens essayer de me faire changer d'avis pour Rocky, alors tu perds ton temps. Cesse de me reluquer comme ça, on dirait une folle dingue. J'ai toujours admiré votre sens de la mode, Madame Adderstone. Votre choix des motifs est vraiment très original. Votre harmonisation des couleurs, tout marche parfaitement. Oui, oui, c'est vrai. J'ai toujours aimé combiner, jouer avec les motifs et les couleurs et motifs. Oh ah ! Les motifs de votre jupe s'accordent à merveille avec les formes de votre chemisier. Tu
a entièrement raison. Certaines personnes pourraient penser que ça jure, mais... Je vois que nous sommes sur la même longueur de pantalon. D'onde, bien sûr. Oignons, ok? Salut, demi-portion. Tocard. Crétin. Loser. Ça va comme ça? Reste avec ta sœur. Si, si on pouvait avoir des parents. Un jour, tu verras. Il est accordé? J'espère. Vous vous souviendrez quand vous étiez enfant, quand vous étiez heureuse, et vous serez gentille avec tout le monde. Oui, ça c'est sûr. Toujours gentille. Et vous aurez besoin de quelqu'un pour jouer. Tenez, voici votre nouvelle et meilleure amie. Alors, ta petite amie t'a lâché? T'as les chocottes de monter sur scène tout seul? Personne ne voudra jamais t'adopter, loser. Que personne ne sorte. Tu la fermes mon poste. Tu connais pas le mot magique. Tu la fermes mon poste. Tu vas rapper sur ma zi. Tu la fermes mon poste. Je suis la gâte et moi je te pique. Tu la fermes mon poste. Vous allez dire aux alabasteurs d'adopter Hazel et pas Rocky. Vous avez compris? J'ai bien compris, oui. Que personne ne sorte. Tu la fermes mon poste. Je suis la reine du business. Dépêche, Molly. Brouille-toi, ça urge. Vous allez modifier les dossiers et dire que Rocky et moi, nous devons être adoptés ensemble. Oh. Abandonnée à la naissance. Laissée sur le pas de la porte. Plus de contact depuis... On t'a déposé devant notre porte, dans un beau carton de marshmallow moons. C'est comme ça que l'on t'a donné ton nom. Mes parents sont pas morts. Ils m'ont abandonnée. Et enfin, pour clôturer la compétition, nous accueillons un duo composé de Molly Moon et Rocky Scarlett. C'est pas juste. On était les meilleurs, on aurait dû gagner. Il est resté muet. J'ai comme l'impression qu'on arrive à temps, tu ne crois pas? Ça ne devrait plus être très long. Nous espérons que vous accepterez cette petite contribution. Merci infiniment. Quelques ordinateurs portables pour les enfants ou des tablettes, peut-être. Nounours vous remercie. Tout le plaisir est pour nous. Un petit gâteau sec. Sympa, la caisse. Oh, enfin, vous êtes là. Oh, quel bonheur. Je suis tellement heureuse de vous voir. Bien. Hazel, il faut faire fi ça. Monsieur et Madame Alabaster sont arrivés de Londres, ma puce. Grimpe dans ta chambre et fais-toi toute belle. Désormais, tu es mon premier choix. Elle est complètement marteau. Put
Poutou, poutou. C'est mon nounours. Voilà, voilà. Ah. À fond, je vous remercie, Sai. Pardon? Ah, les enfants. Bien, il y en a un en particulier que j'aimerais vraiment vous présenter. Bonjour, je m'appelle Rocky. Ravi de vous rencontrer, j'étais très impatient de vous connaître, cher monsieur. C'est un plaisir. Non. Ravi de rencontrer. J'avais quelqu'un d'autre en tête. Oh, viens là, approche, parle-moi un peu non, de toi. Non, il y a une toute petite erreur, je crois. J'adore faire du cross dans la campagne, les livres d'histoire, et puis jouer de la guitare, classique de préférence. Moi aussi. Molly, où est-ce que tu étais? Les alabasters sont là, ils ont choisi Rocky. Il s'en va avec eux. Rocky? Non! Arrêtez! Rocky, non, t'en vas pas! Qu'est-ce que tu fais? Il devait prendre les ailes. C'est moi qui ai voulu partir, Molly. Partir? Tu vas pas partir maintenant, j'ai transformé tout le mal en bien. T'as promis que tu serais là pour moi et tu m'as planté. T'avais promis. On doit y aller, Richard. Si t'avais vu son regard, tu dirais pas ça. Alors, tu dois partir et le retrouver. Je peux pas vous laisser avec eux. Ne t'inquiète pas pour nous comme ça. On arrivera à se débrouiller. Dès que tu peux, tu dois partir. Et nous le ramener. D'accord. On a besoin de lui ici pour Noël. Je vais essayer. Londres? Où est-il? Mais je vous ai déjà vu. Donne-moi. Vous étiez à la bibliothèque. Donne-moi ce bouquin. Quel bouquin? Non, je vais résister. Donne-moi. Alors tant pis pour vous. Non, Pétula, rentre à la maison. À Londres, c'est un voyage organisé. Je regrette, tu ne peux pas monter. Mais il faut vraiment que j'aille à Londres. Peut-être, mais pas avec ce bus. Allez, retourne chez ta maman. Je n'en ai pas. Je suis orpheline. J'ai besoin de monter dans votre bus. Et vous voulez, oh, vraiment m'aider? Eh bien, je ne sais pas si je peux le faire. Reviens là! Arrêtez ce bus! Believe in myself, believe in myself. Things that I felt like no one else in the world. C'est pas aujourd'hui qu'on verra Rocky. Pétula, on doit trouver son adresse.
et aussi un endroit où passer la nuit. Believe in myself, believe in myself. Dream for myself, see for myself what can be. Cause I need to find what's out there for me. Maybe this time I'll be fine. Maybe this time will be mine. Fais attention à toi, Molly. C'est promis. Merci encore. Au revoir. Ah. On a encore un peu d'hypnose à faire, Pétula. Bonjour. Travailler ici ? Tout à fait. C'est la plus belle suite de l'hôtel. On a des télécommandes pour la température, la lumière, l'image et le son. Il y a même une salle à manger ! Génial ! Absolument. Nous pouvons satisfaire tous vos besoins. Un promeneur de chiens, si vous le souhaitez, l'utilisation de la voiture de luxe de l'hôtel et votre propre terrasse privée. Waouh ! C'est fantastique ! Rocky va adorer cette maison. Voilà, c'est fait. Finalement, c'est moi qui suis partie. C'est dur. J'ai plus d'amis, mais une famille. C'est déjà ça. Ce fichu car allait à Londres. Où est-ce qu'il a bien pu la déposer? Oh. Où est-ce se planque, bordel? Je pourrais faire comme elle, Pétula. Cool. Tout le monde te kiffe trop quand t'es cute. Chers amis londoniens, bonjour. Quelle magnifique journée pour faire ces emplettes de Noël. En avant la musique. Et donc, pour Monsieur Duncan Alabaster, c'est au 12 avenue Montpéris, Londres, W1-6-3-SD. Okay. Je vous remercie. Bonne journée, mademoiselle. Je crois savoir comment ton chien et toi êtes entrés dans cet hôtel. T'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Tu es orpheline, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je le sens, c'est tout. On doit être plus costaud que les autres, pas vrai? Vous êtes aussi orpheline? Vous allez pas me jeter dehors? On va dire qu'on verra ça au jour le jour, ça te va? Merci. Oh, mademoiselle Moon, s'il vous plaît, je vous demanderai d'arrêter d'hypnotiser mon personnel à tout bout de champ. Ok, petit-déj en avant toute. Un bon bol de muesli bio. Tu fais maison par Angela. Pour la une. Bonne réception, mon gars. Bon, ensuite, on a du lait écrémé et du lait au soja ou encore du riz brun. Ou on a aussi un yaourt. Probiotique. Je vous laisse. Bonjour, Richard. J'espère que tu as bien dormi. Tu es bien installé, tu as tout ce que tu veux. Si tu as envie, Svetlana peut te concocter autre chose. Non, c'est parfait, merci, Madame Alabaster. Oh, appelle-moi Angela. Ou je sais pas, peut-être... peut-être maman. Allô? Oui, oui, absolument. Richard, je crois que tu as de la visite. Pour moi? Dépêche-toi, on ne fait pas attendre une jeune fille. Molly? Rocky! Qu'est-ce que tu fais là? Jolie veste. Sympa tes cheveux.
comment est-ce que tu m'as retrouvée? Pétula, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une longue histoire. Tu sais, j'ai tellement de choses à te raconter. Tu vas halluciner quand tu verras où on habite. C'est à couper le souffle. Je peux hypnotiser les gens. Tu te rends compte? Je peux faire des trucs de dingue. On va pouvoir faire des trucs de dingue. Tous les deux. Absolument tout ce qu'on a toujours rêvé. J'ai l'intention d'aller nulle part. Rocky, je suis désolée de t'avoir laissé tomber. Ça a plus d'importance. Ils sont ma famille à présent. N'importe quoi, ça va pas! C'est moi, ta famille! Richard! Tout va bien? Oui, papa. J'arrive tout de suite. Richard? Papa? Non, non, attends! J'habite là, regarde. C'est magnifique. On a une vue splendide sur tout l'ombre de ma terrasse. Au revoir, Molly. Désolée. Je dois rentrer. Qu'est-ce qu'on va devenir, Pétula? Maintenant, on n'est plus que tous les deux. Elle est vraiment partout. Mesdames et messieurs, mademoiselle Davina Nuttall, en direct avec Charlie Cooper, l'émission qui décoiffe. Alors, Davina, parlez-nous de votre nouveau projet. À vrai dire, Charlie, je prépare un prime pour la télé. Vous savez, vous êtes si nombreux à m'aimer que nous voulions trouver un moyen de partager avec tout le monde. Vous êtes si nombreux à m'aimer que j'ai les chevilles qui enflent et la tête qui explose. C'est un spectacle incroyable. Ça doit être génial d'être célèbre comme elle. Et en plus, vous travaillez avec Barry Rix, le dénicheur de pépites. Ah oui, c'est le meilleur. On a vraiment un super projet. En fait, il est tellement énorme que la prod recherche des chanteurs et des danseurs. Alors, si vous voulez faire partie de mon projet de comédie musicale, nous organisons des auditions ici, aujourd'hui, au studio. Des Alors, auditions? Alors, à vous de jouer, les Davina en herbe. Nous sommes impatients de voir tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Pétula, je pourrais devenir une star. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la célèbre et talentueuse Molly Moon. Dites à Barry que Davina monte le voir. Un peu que je monte le voir et elle il va m'entendre. Pas travailler comme Dites ça. Dites à Barry que Madame Newtel a dit que sa fille ne peut pas travailler comme Barry, ça. Barry, où es-tu? Je commence à en avoir C'est Davina Newtel. J'avais prévenu, Barry. Davina. Les pas sont tous à côté de la plaque. Je suis constamment à l'arrière de la scène quand on ne me rentre pas dedans. C'est elle, la vedette. Je vais changer elle la doit être au premier plan Davina. Et au centre du début Davina, à la fin. Davina, écoute, je vais trouver une solution. Je retourne sur ma loge. Trouvez-moi un autre chorégraphe. Annulez les auditions. Renvoyez-les. Ok, tout le monde, retour en salle d'attente. J'y arriverai, les yeux fermés. Pourquoi ils bloquent? Je crois en moi-même. Suis-je seul à croire en moi-même? Je me sens pas ordinaire. Si je pouvais au moins leur plaire, je suis une star. Les auditions sont annulées, allez-vous-en. Monsieur Rix? Disparaissez ou j'appelle la sécurité. Vous êtes le meilleur metteur en scène du moment. Qui êtes-vous? Ça doit pas être simple. Les gens attendent tellement de vous. Votre chanson est splendide. Vous auriez pu... Vous devriez être une star. Vous le pensez vraiment? J'adore ce passage. Si je pouvais au moins leur plaire. Oui, je l'aime aussi, ça fait... Si je pouvais au moins leur plaire. Je suis une star. Je...
t'assure, Charlie, c'est le top du top, un vrai cadeau tombé du ciel. Tout à fait, je peux pas être plus sérieux, je te dis. Je veux que cette petite perle remplace Davina, et le spectacle s'appellera... Merveilleux. Tout le monde va l'adorer, c'est obligé. Vous croyez vraiment qu'il... Ne parlez pas. Allons, regardez-moi ses yeux. Je vous le dis, vous êtes une star. Évidemment qu'elles sont à ma taille. C'est vous qui ne les mettez pas correctement. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça. Ce n'est pas de ma T'en faute. T'en fais pas, chérie. Maman va arranger ça. Aïe ! C'est pas possible. Faites attention. Bécasse. Idiote. Débrouillez-vous. J'en ai assez. Bien déterminée. C'est ma chanson. Ma décision. Rien n'est terminé. En avant pour le show. C'est ma chanson. Non, plus maintenant. Cet après-midi, une deuxième demain et le prime de Charlie Cooper ce soir. Mesdames et messieurs, mademoiselle Monique Moon. Salut tout le monde. Et qui vous accompagne? Petula, c'est ma meilleure amie. Peut-être que le renvoi de Davina est un mystère, mais... Vous conviendrez tous que son remplacement est vraiment fascinant. Merci beaucoup. J'adore l'ambiance ici. Je vais avoir besoin d'un nouveau sac pour aller avec mes nouvelles chaussures. Et aussi, tout un tas de nouvelles robes pour toutes mes soirées. Oh, il me faudra de nouveaux bijoux aussi. C'est moi. Regardez, c'est moi. Laissez-y faire, je gère. Pétula, ma belle, Pétula, ce n'est ni le moment, ni l'endroit, ni ton spectacle. Allô, fais quelque chose. Toi, tu es merveilleuse. Qu'est-ce qu'elle aura fait, bon sang? J'étais parti sur des semaines de répé, Londres n'est pas au bout de ses surprises. C'est chaud. Je crois que je vais pas y arriver. Mais c'est super d'être célèbre. Ouais, c'est cool. Tu ne sais pas danser, tu ne sais pas chanter, alors faut que t'arrêtes de piquer les tubes des autres. J'ai bossé dur pour ça. Je vais t'expliquer si tu me laisses une minute. Tu les as payés pour qu'ils t'engagent ou quoi? Quoi que tu aies fait, je te promets que tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Et ces fleurs sont à moi. Et arrête de me regarder comme ça. Le public verra vite que tu ne vaux rien. Que d'un miroir. Regardez fixement vos propres yeux.
Si vous avez réussi, vous avez l'impression que votre visage change de forme et que vos yeux deviennent luisants. C'est cette intensité, intensité, dont vous avez besoin pour influencer la foule. Vous serez alors capable d'hypnotiser 10 personnes. 10 personnes ? Quoi ? C'est tout ? Je sais pas si je vais y arriver, Pétula. Waouh ! Pas mal ! Si seulement tu pouvais être là, Molly. Tu vas voir, maman. Je vais hypnotiser les entrées. Il me faut ce livre. Molly Moon ? Molly ? C'est moi, Jerry. Jerry ! Comment t'as appris que j'étais ici ? On entend parler de toi à la radio. Vous avez des nouvelles de Madame Trinkleberry ? Elle va mieux, elle est toujours à l'hôpital. Et Madame Adderstone s'occupe de vous ? Maintenant qu'elle est plus sympa ? Vite fait, elle a toujours des réactions bizarres et elle nous laisse nous débrouiller tout seul en fait. Et comment va Edna ? Elle n'est plus là. Elle est partie ouvrir un restaurant en Italie. Tu as retrouvé Rocky ? Ouais. Mais il est heureux là où il est. Et toi, tu reviens quand, Molly ? Une seconde, Jerry. J'ai un double appel. Je te reprends. Allô ? Votre limousine vous attend en bas. Merci, je descends. Jerry ? Je dois y aller maintenant. Je vous rappelle plus tard. Bye. Nounours ? Alors ? Nounours, où es-tu ? Elle devait y aller. Oh ! C'est mon nounours ! Il est à moi, maintenant ! Quoi ? Le spectacle est complet, vous en êtes sûr ? Archi-complet ! Et des millions de gens vont te voir à la télé. Des millions ! Tu es prête ? Tu vas te déchirer. Citez toutes les choses que Rick Astley ne fera jamais. Attendez une seconde. Je t'aime, Molly, je peux avoir un autographe ? Bien sûr. C'est curieux, ce nom-là me dit quelque chose. Mais bien sûr, la fameuse fille au bouquin. Richard avance fort bien à la guitare. On pourrait lui demander de jouer après le dîner. Tu sais, si cette offre à Tokyo se concrétise, nous passons notre temps là-bas. Nous devons envisager un pensionnat pour Richard. Tu es sérieux ? Nous ne l'emmènerons pas avec nous ? Non, quelle question. Interrompre son éducation et ses études musicales, tu n'y penses pas. Comment se protéger contre l'hypnose ? Salut, maman. Alors, tu l'as trouvé ? Pas encore, non. Tu pourrais essayer de la chercher dans les studios de Portland. Elle est sur le point de devenir la plus grande vedette de télévision du monde. Molly Moon ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a ce livre avec elle. Et je crois qu'elle en tire tous les enseignements, vois-tu ? Tu dis que le studio s'appelle comment ? Les studios Portland. Et comment tu les pèles ? Ça va, je vois pas pourquoi je me fatigue. C'est bien, si tu veux, cette gouvernance collégiale. C'est comme tout, elle a ses limites. S'il vous plaît, un peu d'attention, un peu de silence. Je suis fier de vous présenter le talentueux Richard Alabaster. Je vais être ridicule. Montre que tu as du cran, Richard. Sois à la hauteur. Allez, mon chéri.
pas planté là. Joue un truc. Non, je joue pas. Et il est pas question que j'aille dans votre école de Bourges. Vous croyez que c'est trop tard pour le rang? Bon, quelqu'un veut un thé à la menthe, un café, un verre de vin? Eh bien, du vin. Scène dans 5 minutes. J'ai fait tout ce que je pouvais, Pétula. Il faut que ça marche. Messieurs, dames, s'il vous plaît, veuillez regagner vos places. Le spectacle va commencer. Oh, Belle, viens vite, ça commence. Par ici. Ma chanteuse préférée. Mesdames, messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce soir l'incroyable Molly Poulain. Oh, regardez. Que ça marche. Salut, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Vous devez vous poser pas mal de questions à mon sujet. Eh bien... regardez au fond de mes yeux. Vous êtes venu voir et entendre le plus merveilleux, le plus fabuleux et extraordinaire spectacle de tous les temps. Pas déçu. Vous allez adorer mon univers. Richard, je suis Rocky. Tu n'es qu'un enfant trop gâté. Je te... arrête ces caprices. Comment oses-tu fermer cette porte? Tu es à nous désormais, Richard. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu viendras nous voir en action pour les vacances. Richard, je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Je te préviens. 'Abandonnée sur un pas de porte, elle est orpheline.
Comment hypnotiser une foule? Alors c'est donc ça ton truc? Qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Vous vivez au fond d'une grotte ou quoi? Sortez ou j'appelle la sécurité. Donnez d'abord le livre. Vous pouvez toujours courir. Horrible petit Minus. Donnez-moi. Je ne rigole pas. Pauvre mec. Ne faites pas l'imbécile. Donnez-moi ce bouquin. C'est ça que vous voulez? Ah ah oh. Lâchez-le. Donnez-moi. Ah oh. Oh. Ça y est, tu as récupéré le bouquin ou tu te tournes encore les pouces? Non, en fait, je galère un petit peu aujourd'hui. Ah, écoute bien ce que je vais te dire, mon coco. Je sais de source sûre que Krieg et ses sbires ont l'intention de dévaliser la Shoring's Bank. Demain matin, à la première heure. Et donc, après qu'ils aient fait tout le sale boulot... Tu vas les dépouiller. Et pour être sûr d'y arriver, tu vas utiliser ce... Oui, ce bouquin sur l'hypnotisme, puisque tu n'arrêtes pas de me fasciner. Le truc, c'est que je n'ai pas encore trouvé le bouquin de cette fille, vois-tu, tu maman, et j'ai... Tu n'as besoin du livre, mais uniquement de la jeune fille. Elle a déjà tout appris. Tu veux dire, la kidnapper? Ça vaut pas, Davina. Il faut qu'il se lave les oreilles. Sérieux, les gamins chantent 10 fois mieux en maternelle? Venez. Molly Moon, tu es une grande star. Bienvenue dans le showbiz. Molly! Molly! Qu'est-ce que ça fait d'être acclamée par toute une ville? Oh, je me sens comme si j'étais chez la moi. La célébrité ne va-t-elle pas vous transformer? Je dois rester prudente. Votre famille doit être extrêmement fière. Ils étaient là ce soir? Ils... n'ont pas pu venir. Du jour au lendemain, vous devenez une star. C'est le rêve de toutes les jeunes filles. Alors dites-moi, s'il y avait une personne au monde avec laquelle vous souhaiteriez partager tout ce succès, qui serait-elle? Ces gens, je les ai trompés, Pétula. J'ai triché. Je suis pas fière de moi, tu sais. En fait, ils ne m'aiment pas vraiment. Pas comme mes véritables amis. Rocky me manque tellement, Pétula. Oh, oh, tu es là, Dieu soit loué. Je dois te préparer pour la réception de l'after, tu sais. Je m'occupe de Pétula. Allons-y. Davina?
manigances et je connais ton secret. Tu hypnotises les gens pour obtenir ce que tu veux. 6 ans de cours de danse, de claquettes et de chant. Et toi, tu bats tes cils et on te déroule le tapis rouge. Tu as raison, Davina. Cette place t'appartient. Je voulais juste ce que tu avais. C'est toi, la star. Je croyais que je pouvais tout rendre génial, mais je rêvais, c'est faux. Je veux plus tromper tout le monde. Tiens, c'est à toi. Merci. Je me comportais aussi comme un monstre. Nous avons toutes les deux commis des erreurs, Davina. Il est temps que je rentre chez moi. Mais tu n'es pas orpheline ? Si, c'est ça. Alors, tu n'as pas de famille ? Peut-être, mais ça veut pas dire que je n'ai personne qui m'aime. Et il me manque. J'abandonne tout ça. Molly ! Mon trésor, mais comment es-tu habillée ? Tu as l'interview avec Charlie Cooper dans une demi-heure. On a l'after et il y a cet agent qui voudrait... Je quitte l'aventure, Barry. En fait, j'abandonne le show business. Quoi ? Molly. Non. N'essaie pas la comédie, concentre-toi sur le chant et la danse. Tu dis que pour être une star, je dois vraiment le vouloir. Eh bien, j'ai réalisé que c'est pas le cas. Mes amis sont plus importants. Et voilà, ils me manquent. Alors je vous quitte. Tu n'es qu'une sale petite ingrate. Je suis désolée, Barry. Tu n'es personne, Moon. Tu le sais, ça ? Et dire que j'ai viré une vraie star pour te prendre. Pourquoi ne pas la récupérer ? Elle est là-bas, dans le dressing. Lui demander de reprendre ? Elle ne voudra jamais. Et en plus, c'est un monstre. Elle est vachement brillante. Bien plus que moi. Elle mérite une seconde chance. Vous imaginez la publicité ? Barry Wicks, le super cerveau, prépare le retour de Davina Nuttall, la coqueluche de Londres. Oh ! Voilà, comme ça, on reste dans le mouvement. C'est une idée géniale ! Davina dans un nouveau spectacle. Okay. Quelque chose de grandiose. Vous y êtes ? Orchestre symphonique, danseuse, la grosse machine. C'est fantastique. Ouais. Quand on peut répéter ? Quand vous voulez. Je suis un génie. C'est clair. Davina ! Davina, ma chérie, mais tu es resplendissante. Ah. Écoute, il faut que je te parle. Petula ! Rocky ! Molly, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, Rocky. Ce jeune homme est passé à l'hôtel, il te cherchait. Je savais où tu étais, alors. J'ai fait un bout de chemin avec lui. C'est super gentil. On doit toujours prendre soin de ses amis. Ça, tu l'as compris. Bon retour chez vous, les enfants. Les alabasters n'auraient jamais pu être ma famille. Ils étaient trop bourges. Mais parle-moi un peu de toi. T'es une star maintenant. C'est pas pour moi. Je pensais être capable d'améliorer les choses. Quoi ? Je comprends rien à ce que tu racontes. J'ai trouvé ce livre. Ce livre explique comment hypnotiser les gens. Hypnotiser les gens ? Ouais, c'était marrant au début. Edna avec les spaghettis, Madame Adderstone. Et puis tout a commencé à aller de travers. En route, on ferait mieux de rentrer à l'orphelinat. J'ai hypnotisé le metteur en scène pour qu'il m'engage. Et j'ai fait pareil avec tout mon public. Avec tout ton public ? Mais c'est impossible, Molly ! T'imagines, t'étais sur les écrans du monde entier ! Mademoiselle Moon, cette lettre vient d'arriver pour vous. Merci beaucoup. De rien. Venez seule, prévenez la police et je tue le chien. Petula, elle a été kidnappée. Je dois me rendre au point de rendez-vous. Il faut que j'y sois au lever du jour. Appelons la police. Je peux pas. Ils découvriront ce que j'ai fait. Tu peux pas y aller seule. Il nous faut un plan d'attaque. Il sait même pas que j'existe. Ça nous donne un avantage. Il a dit venez seule. Depuis quand est-ce qu'on écoute ce que disent les adultes ? Allez, dépêchons. Thank you.
Non, écoute-moi bien. Pétula ! Quoi ? C'est vous ? Pourquoi vous portez ces lunettes ? Je sais très bien ce que tu as appris dans ce bouquin. Et ça ne marchera pas sur moi. J'ai un petit boulot pour toi. Tu fais ce que je te dis, et ton clan sera libre. Allez, avance. Dévaliser une banque ? Je peux pas faire ça. Je suis pas une criminelle. Me raconte pas d'histoire. Tu as joué les imposteurs pour devenir riche et célèbre. Je pourrais te dénoncer. Non, je voulais juste voir. Tu as un don. On est d'accord. Et d'abord, on ne dévalise pas une banque. On dévalise les gens qui dévalisent une banque. Craig. Les hommes de Krieg sortent de la banque à bord du véhicule de sécurité. Il sera truffé de bijoux. À ce moment-là, toi, tu entres en scène et tu fais comme on a dit. C'était moi une. Elle sortait d'où, cette gamine ? Où elle est passée ? C'est ça. Bien joué, ma belle. Descends. Grouille-toi. J'ai fait ce que vous vouliez. Vous aviez dit qu'on serait libre. Rentre là-dedans. On avait un accord. C'est la dure loi du showbiz. Ok, man. C'est là que ton fiston touche le pactole. Je crois que j'ai dit le kleps reste dans la boîte. Alors couchez. Et toi, assise. C'est quoi ce truc? Bizarre. Reconnaissance de l'iris. Accès refusé. Éloignez-vous du véhicule. Ah! Éloignez-vous du véhicule. Oh. Éloignez-vous du véhicule. Non, oh, c'est pas juste! Ah! Ensemble, c'est ton plus grand rival. Disons que Tony et moi avons uni nos forces juste avant de nous unir pour de bon. N'est-ce pas, mon Tony? Je sais que t'es beau gosse. Enfin, maman, tu as l'âge d'être... Réfléchis bien à la fin de ta phrase, mon chéri. Tu l'as. Oh. Tiens, tiens, c'est un immense plaisir de rencontrer une telle vedette. Tu es une petite très intelligente. Reste où tu es, mon pote. Tu crois qu'on n'a pas compris ton manège avec tes yeux, hein? Tu as été fantastique, hypnotisé la moitié de la planète. Sans parler de mes deux gars à la banque. Mais pour l'heure, nous allons te confier une mission que tu vas accomplir pour notre compte. Un détail que mon abruti de fils n'avait même pas calculé. Reconnaissance de l'iris. Un petit effort. Accès refusé. Je sais que tu peux y arriver. Éloignez-vous du véhicule. Non, c'est impossible, c'est une machine. Concentre-toi. Éloignez-vous du véhicule. Sinon, ton gentil toutou finira en pâté. Recommence. Reconnaissance de l'iris. Je sais que t'en es capable, ne me prends pas pour une bille. Échec de l'identification. Échec de l'identification. De l'iris. Iris identifié. Accès autorisé. Génial. Descends.
Viens là. Oh, wow. Bingo. Enferme-les tous les deux dans la cage. Tu viendras m'aider à charger tout ça dans la voiture. Ok, ma biche. Non, non, pas moi. Rentre là-dedans. Pourquoi pas toi, fiston? Toute cette énergie pour en arriver là. Tu crois ça, doublé par sa propre mère? Super, non seulement votre mère vous rejette, mais en plus, on est coincé là-dedans. Cela dit, ne me demandez pas de vous plaindre, Nogman. Vous avez volé quelque chose qui vous appartenait pas, vous avez triché. Tu peux parler. Je crois qu'en fait, on s'est tous les deux mis dans de beaux draps. Vous avez raison, moi aussi j'ai triché. J'ai déraillé. Et j'ai perdu mon meilleur ami. Encore une fois. Peut-être pas, non? Rocky! Chut! Je veux que tu refermes la grille avec tes yeux. En utilisant les miroirs, quand ils seront tous les deux à l'arrière du camion. Allez, bouge-toi, Tony, ne reste pas planté là. Viens m'aider. Encore quelques coffres et on a terminé. Prends ce côté. Mets tout dedans, t'occupe pas. Là aussi, y en a plein. Je n'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop loin. Une seconde. J'ai vu comment tu as fait. À la télévision. Avec la grosse loupe. Essaie encore. Pensez, je vais vous sortir de là. Je ne porterai pas en paradis. Je vous conseille de ce qu'on fait de lui. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. J'ai comme l'impression qu'il ne posera plus de problème. Cela dit, on va devoir s'occuper de leur carte. T'as remarqué? Leurs lunettes, ils les ont plus. Nogman, t'as entendu ta mère? Oh, ils ont l'air heureux comme ça, non? On va devoir rendre les bijoux maintenant. N'est-ce pas, Nogman? Ouais. Mystère autour de la découverte de deux criminels notoires à Trafalgar Square ce matin. La police pense qu'ils ont orchestré le hold-up de la Shoreings Bank d'hier. Les bijoux du braquage ont été retrouvés en compagnie de 847 nains de jardin. Une sacrée énigme à résoudre pour le Père Noël. Vous avez compris? Vous leur dites que vous allez à Briersville, ok? Ils vous indiqueront où il faut changer de train. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Trouver une autre banque à braquer? Mais non, je veux pas finir comme ma mère. En prison? Elle est tout ce que j'ai. Vous n'avez pas d'amis? Nous, on pourrait être vos amis. Vous savez où on habite? Alors venez nous rendre visite. C'est gentil. Je viendrai. Bon, faut y aller. Vous allez être en retard. Joyeux Noël! On a dépensé tout l'argent qu'on avait en cadeau de Noël?
oui. Ça a l'air désert. Oh, j'espère que tout va bien. On n'est pas parti si longtemps. Maintenant que j'y pense, quand Jerry a appelé, j'ai trouvé à sa voix qu'il semblait inquiet. Oh, c'est pas vrai, ils sont où tous? Molly, Rocky, Jinx, c'est Molly, Rocky, vous êtes revenus. Ils sont là. Ça va? Vous nous avez manqué. Ouais. On Molly. Dirait que t'as grandi. Ah, je suis trop contente. Qu'est-ce que vous venez faire là? Je croyais que t'avais été adoptée. Je préfère être ici. On pensait que tu nous avais abandonnés. Non. Londres, c'est vraiment extra. Seulement, il me manquait quelque chose. Les spaghettis? Non, pas les spaghettis, Ruby. Vous, vous m'avez tous manqué. Hop. Oh. Wow. Même toi, Hazel. Merci, Molly. Et nous, est-ce qu'on a tous des cadeaux? Bien sûr. Il y a un paquet pour chacun. Ouais. Et Madame Aderston? Elle est dans sa chambre. Elle n'en sort que très rarement, on ne la voit plus. Qui s'occupe de vous alors? Moi. Oh, Madame Trinkleberry! Attention. Oh, Molly. Rocky. Je suis revenue ce matin quand j'ai appris ce qu'il se passait. Et pour m'assurer que tous mes petits bichons allaient bien. Mais Madame Aderston a été horrible avec vous. Je crois qu'elle ne s'en souvient même pas. Tu sais, en fait, elle n'a plus toute sa tête. Enfin, qu'importe, elle part aujourd'hui. Madame Aderston? Molly Moon. Est-ce que vous êtes toujours hypnotisée? J'attends simplement un taxi. Je reconnais que je me suis comportée de façon plutôt ridicule. Et je sais que je n'ai pas été très gentille avec toi. Molly, il y a quelque chose que j'aurais dû te donner depuis longtemps et je ne l'ai jamais fait. Je suis désolée. Quand on t'a retrouvée sur le pas de la porte, c'était dans la boîte à côté de toi. Ta mère voulait te garder, mais elle ne pouvait pas. Elle t'aimait vraiment, Molly, ça, il n'y a aucun doute. Bien, à présent, va-t'en, va rejoindre les autres. Pour ma fille adorée. Ça fait un petit moment que je ne t'ai vue. Je dois vous remettre quelque chose. Merci, Molly. J'espère qu'il t'a aidée. Comment est-ce que vous le saviez? C'est exact. Il m'a vraiment aidée à y voir clair. C'est drôle comme il a l'habitude de tomber entre de bonnes mains. Vous l'aviez laissé par terre pour que je le trouve? N'est-ce pas? Disons que parfois il a besoin d'un petit coup de pouce pour croiser la bonne personne. Qui êtes-vous en fait? La bibliothécaire simplement. Bien, tu as mieux à faire, tu ne crois pas? C'est la veillée de Noël. Vous avez certainement raison. Merci pour tout. Tu es bienvenue, Molly. Oh, Molly? Ce n'était pas l'hypnose qui t'a rendue remarquable. Mais c'est bien toi. Il y avait encore une petite chose à régler. Madame Trinkleberry? Mm-hmm. Nous voulons vous demander quelque chose.
Nous vous aimons beaucoup. Et on a besoin de vous ici. Seriez-vous d'accord pour rester et vous occuper de nous? Avec grand plaisir. Il faut parfois partir sur d'autres chemins. Partir découvrir les cartes du destin pour trouver sa maison. Sa maison. J'ai changé de nid. Goûter la galère. Les tests de la vie. Mes amis, mes frères. J'ai trouvé ma maison. There are places that I long
Could see for themselves, I'm a star.